Ben voilà. Bye bye piscine, qu'on n'aura jamais utilisée. Ben au moins, il y en a qui sont heureux. Grand Labi Family, on devait partir à 16h et on va fermer le conteneur à 11h30 du soir. C'est optimiser la place, je crois qu'il n'y a pas un espace entre les cartons. Le dernier claque. Comme dans tout bon film, il y a un Belge, hein. Il en faut bien un. En road trip, c'est la première journée aujourd'hui. Ouais, c'est fini la Californie et après on va aller au Nevada. Voilà, bravo Farms, on est arrivé et il y a des magasins, restaurants, crème glacée, une aire de jeu sur le thème du Far West et a priori il y a même un dog park qui sera très bien pour Willow. Du coup on fait Tex-Mex ? C'est bien le nom déjà, le White Jack's Tex-Mex Barbecue. Bon appétit! Bon appétit! Tu peux dire patate dans ton sandwich à toi? Moi j'ai un sandwich, c'est du porc en petits morceaux, porc barbecue et puis des bons haricots rouges à côté. Et moi j'ai une salade géante, il y en a pour 10!
Coucou maman. Coucou Mimi. Alors, Cowboy, on cherche encore les ennuis. Ici, t'es chez moi. Ok, et chez moi. On fait pas n'importe quoi. Viens voir. Par là. Toujours à Bravo Farms, il y a une petite activité qu'on peut faire avec les enfants de mines de pierres précieuses, des tamis pour pouvoir tamiser les pierres. C'est bien Mimi ? Ouais. Qu'est-ce que tu trouves ? Plein de cailloux. Plein de cailloux ? Et ils sont beaux ? Oui. Il y a de là-bas derrière. Est-ce que tu vois la grande tour là-bas? Et ben, elle creuse dans la terre, elle va chercher des cailloux dans la terre. Et en fait, les cailloux, ils remontent tout en haut de la terre. Il y a des petits trous dans ton panier. Et ça laisse passer les tout petits grains de terre, qui sont pas importants. Et ça garde dans le panier les grosses pierres qu'il y avait dans la terre, et qui sont souvent des pierres spéciales. Nous voilà au Dog Park, parce que Bravo Farms, c'est un endroit qui est dog friendly. Ça veut dire qu'on peut venir avec son chien dans tous les espaces de Bravo Farms. Donc voilà la boutique de souvenirs de Bravo Farms. C'est gigantesque. On ne sait plus où regarder tellement il y en a. Très joli magasin. Ça te plaît? C'est génial. C'est énorme, hein? Très sympa, ouais. Ah, voilà encore un petit bout de Californie et de Far West avant de continuer notre route vers l'est. Bravo Farm, c'est un petit village du Far West reconstitué. Et puis ça permet aux enfants de bien jouer, de bien se défouler, et puis à nous de nous détendre aussi, quoi. Voilà, mais bon, il va falloir repartir. Donc c'est un stop qu'on vous conseille si jamais vous voulez descendre l'Interstate 5. Un bon petit stop. C'est vrai. Ça, c'est check. Et on continue. Il reste... Là, il nous reste 5 heures avant d'arriver dans le Nevada. Donc le soleil va bientôt se coucher et nous, on n'est pas couchés. T'as vu, Mimi, les drapeaux? Il y a quoi comme drapeau? Il y a le drapeau d'Amérique. Ouais, et celui avec l'ours dessus, c'est quoi? California. Super. Nous sommes à Boron. Donc Boron, ça fait un peu abandonné, ça fait un peu peur. Les maisons sont vides. On a vu un supermarché abandonné, un motel abandonné, des maisons complètement vides. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on a la radio par Sirius, qui est par satellite. Donc du coup, on arrive quand même à choper des stations sympas, même en plein désert de Moravie, en pleine nuit. Parce que franchement, le paysage, on ne le voit pas.
Et voilà, Nevada. Bye bye Californie. Welcome to Nevada. La loi est pas la même entre la Californie et le Nevada, et bah, 10 mètres après le panneau de la frontière, on a des casinos partout. Voilà, ça c'est notre hôtel, le Gold Strike. C'est trop mignon. Et notre oasis dans le désert à nous. Les 2h30 du mat, on n'en peut plus. Qu'il est arrivé, il va finir par dormir dans la voiture. Allez, on rentre dans le Gold Strike Hotel and Gambling Hall. On est entouré de machines à sous, ça fait du bling bling dans tous les coins. Alléluia, alléluia.